Méditation guidée. Rencontrer son guide. Vous vous placez dans une position assise ou allongée, confortable, favorable à la détente et à la méditation. Vous fermez les yeux. Les mains posées sur vos cuisses, paumes tournées vers le haut si vous êtes en position assise, ou les bras le long du corps si vous êtes en position allongée. Vous vous imaginez debout au sommet d'un escalier à 10 marches. Je vais compter de 10 à 1. À chaque nombre que j'énoncerai, vous descendrez cet escalier d'une marche. À chacune des marches que vous descendrez, vous serez dans un état de relaxation, de réceptivité de plus en plus profond. Et 10, de plus en plus profond. Et 9, encore plus profond. Et 8, encore plus loin. Et 7, plus profond, plus profond. Et 6, encore plus loin. Et 5, encore plus profond. Et 4, plus profond, plus profond. Et 3, encore plus loin. Et 2, encore plus profond. Et 1, merveilleux état, très merveilleux état, qui s'approfondit à chaque seconde qui passe. Derrière vos yeux clos, vous voyez apparaître le bâtiment, le temple, que vous aviez visualisé lors de notre méditation, méditation de contact avec le guide, le temple. Vous voyez ce temple en face de vous. Vous vous en rapprochez et vous pénétrez à l'intérieur. Bientôt, vous êtes au centre du temple et tout au-dessus de votre tête, très haut, se trouve la grande coupole. En haut du plafond voûté, vous percevez comme un tourbillon de lumière. Vous avez l'impression d'une ouverture de lumière, d'une sorte de passage. Puis vous apercevez une silhouette brillante qui semble descendre à partir de ce tourbillon de lumière. Cette silhouette de lumière descend vers vous. Cette silhouette émet tout autour d'elle une lumière limpide et puissante. Au fur et à mesure que cette silhouette se rapproche de vous, vous pouvez voir si c'est un homme ou bien une femme, son âge, ses vêtements. Bientôt, cet être de lumière se trouve face à vous. Vous le saluez.
vous pouvez lui demander son nom. Maintenant, votre guide vous fait visiter le temple. Soyez présent à tous les détails. Il y a peut-être différentes salles. Dans ce cas, votre guide vous les fait visiter. Je vous laisse quelques instants procéder à cette visite. Puis maintenant, demandez à votre guide s'il ne voudrait pas vous donner un conseil. Alors, après avoir reçu conseil de votre guide, vous pouvez demander à contacter une personne de votre famille ou une relation amicale qui est désincarnée, si cette personne est disponible en ce moment. Alors, il peut se passer trois situations. Le guide vous annonce que cette personne n'est pas disponible à cet instant. Vous pouvez éventuellement demander contact avec une autre personne.
Le guide disparaît quelques instants, puis revient avec cette personne. Ou bien le guide vous emmène avec lui là où se trouve cette personne. Dans ces deux cas, tout en restant auprès de votre guide, posez des questions à cette personne. Par exemple, quelles sont ses occupations actuelles dans l'au-delà? Quelles sont ses relations de l'autre côté? Avec qui vit-elle? Comment est l'endroit où elle vit? Y a-t-il des choses à faire pour la contacter plus facilement par la suite, ou serait-ce gênant? Puis posez d'autres questions qui vous tiennent à cœur.
Maintenant, vous remerciez cette personne et votre guide. Vous êtes dans le temple, vous les saluez. Votre guide disparaît vers le haut du temple dans un sillage lumineux. Vous vous retrouvez en bas de cet escalier à 10 marches. Je vais compter de 1 à 10. À chaque nombre que j'énoncerai, vous montrez cet escalier d'une marche, et à chacune des marches que vous monterez, vous serez de plus en plus éveillé et lucide. 1. Vous reprenez bien conscience de l'espace calme, paisible, situé par devant le front, au-dessus des sourcils. 2. Vous ressentez bien les muscles autour des yeux. 3. Les doigts des mains. 4. Les paumes des mains. 5. Les plantes de pied. 6. Les orteils. 7. Votre respiration est plus ample, plus profonde. 8. De plus en plus éveillé et lucide. 9. Plein d'énergie et de vitalité. 10. Vous ouvrez les yeux quand vous voulez. La séance est terminée.